Dans le premier tutoriel de cette série, nous avons démontré que l'équation différentielle relative à un tel mouvement d'un ressort s'écrit comme ceci. Je vais arrêter l'animation. Voilà. Et nous avons aussi dit, au début, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, nous mettons le ressort sur cette position-là, position qu'on a appelée grand A. Je vais remettre le ressort un peu plus vers le haut, voilà. Ainsi, nous voyons bien ce nombre A, A comme amplitude du mouvement. Dans l'équation différentielle correspondante, ce nombre oméga au carré, c'est la constante K, constante du ressort, divisée par la masse M qui oscille. Écrivons l'équation différentielle sous cette forme-là. Et nous voyons de suite qu'il s'agit d'une équation différentielle linéaire et homogène. Elle est bien linéaire et homogène. Lors des tutoriels précédents, j'ai expliqué en détail comment on résout une telle équation différentielle linéaire et homogène. D'abord, on écrit l'équation caractéristique. Donc dans notre cas, c'est z au carré plus oméga au carré est égal à 0. Comme ceci. Il est vrai que dans l'ensemble R, ce binôme n'est pas factorisable, mais bien dans l'ensemble des nombres complexes. Ce binôme, cette somme des deux carrés, peut s'écrire sous la forme z moins i oméga fois z plus i oméga. Et ainsi, nous voyons de suite les deux racines de l'équation caractéristique, à savoir i oméga et moins i oméga, avec multiplicité respective 1 et 1. Donc, pour pouvoir appliquer cette formule-là, nous écrivons que la première solution A1, c'est I oméga avec sa multiplicité M1 égale à 1. Et la deuxième solution, A2, c'est moins I oméga avec sa multiplicité M2 égale à 1. Et ainsi, grâce à cette formule-là, nous trouvons de suite cette solution générale de cette équation différentielle. Nous allons écrire cette solution générale de façon trigonométrique. Parce que nous savons que E exposant I fois un angle, c'est le cosinus de cet angle plus I fois le sinus de cet angle. Et ici, le E exposant I fois moins oméga t, nous appliquons la même formule. Et ainsi, nous trouvons la solution générale sous cette forme trigonométrique. Oui, mais le cosinus de moins oméga t, c'est la même chose que le cosinus de oméga t. Et le sinus de moins oméga t, ça c'est la même chose que moins sinus de oméga t. Donc, nous allons appliquer cela, et en même temps, nous allons distribuer les deux constantes C1 et C2. Ainsi, nous obtenons cette somme-là. Vérifions, C1 fois cosinus oméga t, c'est là. C1 fois i sinus oméga t, ok. C2 fois cosinus oméga t, c'est bien là. Et puis, C2 fois moins i sinus oméga t, c'est bien moins i C2 sinus oméga t. Dans le premier et le troisième terme, on peut mettre cosinus de oméga t en évidence, et entre parenthèses, il va rester C1 plus C2. Dans le deuxième et le quatrième terme, on peut mettre I fois sinus de oméga t en évidence, et entre parenthèses, il restera C1 moins C2, donc comme ceci. Donc voilà la solution générale x de t de cette équation différentielle. Retenons cette solution générale sous cette forme-là. Regardons maintenant les conditions initiales du mouvement. Nous avons mis le ressort sur cette position-là, je vais enlever le x de t, voilà, sur cette position-là, grand A, et c'est à ce moment-là que nous commençons à compter le temps, c'est-à-dire le temps à ce moment-là est égal à 0. La position au temps t égale 0, c'est donc A. Mais la position au temps t égale 0 s'obtient aussi
en remplaçant là-dedans le temps t là et là par 0. Autrement dit, la position x à l'instant t égale 0 est égale d'un côté au nombre a et d'un autre côté à cette somme dans laquelle nous remplaçons t là et là par 0. Oméga fois 0, ça fait 0. Là aussi. Le sinus de 0, c'est 0. Ainsi, ce deuxième terme, il tombe. Le cosinus de 0, c'est 1. Et une fois C1 plus C2, c'est C1 plus C2. Donc, la position à l'instant t égale 0 est égale à A et en même temps égale à C1 plus C2. Donc, nous pouvons en déduire que C1 plus C2, ça doit être ce nombre A. Donc, dans la solution générale, nous pouvons remplacer cette parenthèse par A. Voilà, c'est fait. Maintenant, à cet instant t égale 0, on lâche le ressort. Autrement dit, à cet instant initial, la vitesse est nulle. La vitesse s'obtient en dérivant la position par rapport au temps. Alors, dérivons cette fonction x de t. Ça fait a fois la dérivée du cosinus de oméga t. Le cosinus de oméga t, ça c'est une fonction composée dont la dérivée c'est oméga fois moins le sinus de oméga t. Donc la dérivée de ce terme-là, ça donne de suite moins a oméga sinus oméga t. Maintenant le deuxième terme, i fois cette parenthèse, c'est une constante multiplicative qui vole hors de la dérivation. Reste à dériver cette fonction composée sinus de oméga t. La dérivée, c'est oméga fois cosinus de oméga t. Donc voilà la vitesse du mobile à chaque instant t. À l'instant initial t égale 0, la vitesse, c'est ceci si on remplace le t par 0. Et ainsi, nous obtenons moins a oméga fois le sinus de 0 plus i fois c1 moins c2 fois oméga fois le cosinus de 0. Et en même temps, la vitesse à l'instant t égale 0 doit être nulle. Donc, nous obtenons ceci. La vitesse à l'instant t égale 0 doit être nulle. Et la vitesse à l'instant t égale 0, c'est ceci si on remplace le t par 0. Le premier terme, ça donne 0 puisque le sinus est nul. Et le deuxième terme, ça donne ce produit-là, puisque le cosinus de 0, c'est 1. Donc, nous en déduisons que ce produit-là doit être nul. Oui, mais i n'est pas nul. Oméga non plus. 1 n'est pas nul non plus. Par conséquent, le C1 moins C2 doit être nul. Et par conséquent, dans cette solution générale, nous pouvons remplacer le C1 moins C2 par 0 et c'est ainsi que nous obtenons la solution de cette équation différentielle sous ces conditions initiales-là.